Bah, bonsoir tout le monde! Ouais, bah, déception, frère! Et comment tu veux que je sois pas déçu? Je pensais que j'allais avoir un beau cadeau d'anniversaire, tu vois? Une belle victoire contre Dijon, ça m'aurait fait plaisir pour mes 30 balais. Et ça, vous n'avez pas pu le faire, ça, encore ce soir. Hein? Et je l'ai mal pris! Gros! Tu fais match nul contre la lanterne rouge! Contre la moutarde dijonnaise, mon bébé! Changement de décor en plus! Ouais, je te le fais dans la caisse, ouais! Ouais, je te bâcle! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bruit, gros! Je peux pas te bâcler! Si j'ai envie de te bâcler, je te bâcle! T'as seul le débrief! Je le fais un peu où je veux, je le fais! Tu compris? Hein? Donc voilà, les gars! On fait match nul contre Dijon! Lanterne rouge! Hein? Leur entraîneur, c'est Monsieur Jobard! Je sais pas si vous connaissez le mot jobard, mais nous à Marseille, gros, un barjo, un jobard, c'est un mec qui est un peu fou furieux dans sa tête. On a perdu contre eux, ah, Amalfitano, Amalfitano, là, mais entre nous, Amalfitano, tu as porté le maillot de l'OM, ah, n'est-ce pas toi, c'est un frère, mais qu'est-ce que tu es beau, ah, faut que tu es beau. Ah, tu es magnifique, gros! Moi, ça me fait chier, gros! De repartir avec un point contre Dijon, gros! Ça me fait quelque chose! Surtout que tu me fais même pas un cadeau pour mes 30 ans! Hein? Il y a une chose à relever ce soir! Ouais! Et qui m'a fait plaisir, quand même! Malgré l'effectif amoindri, parce qu'il faut se le dire, gros! L'effectif, il est amoindri ce soir! Hein? En défense, comme au milieu de terrain! Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est le petit Lucas Perrin, ouais. Ouais, Lucas, monsieur Lucas Perrin, frère. Première titularisation, hein, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, le minot de chez nous, gros. Écoute-moi, je peux pas t'en vouloir de ce que tu as raté, frère. Tu es pas un attaquant, tu es. Hein, je le sais que tu es pas un attaquant. C'est pour ça que j'ai pas envie de t'en vouloir, Lucas. Parce que tu as fait ton taf en défense, hein. Et heureusement que tu étais là, comme notre cher et tendre, Steve Mandanda, notre panthère noir, tu vois ce que tu dis. C'est notre gardien de but, c'est notre sauve-tout aussi. Heureusement qu'il était là, lui aussi. Parce qu'en termes d'occasion, il n'y avait pas grand chose à dire, tu vois. Jamais c'est un coup sur deux, tu vois. Benedetto, Pipa, tu vois, tu me fais bander, gros. J'espère juste une chose, les mecs. Une chose, tu vois. J'espère que dimanche contre Rennes, les gars. J'espère qu'on va avoir les 3 points, parce que prendre 2 points sur 6 en 2 matchs, ça me fait un truc. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, les gars. Donc sur ce, ça m'a fait plaisir, quand même, de voir toute cette population me souhaiter bon anniversaire, tu vois. 30 balais, gros. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que tu as 30 balais, hein. Vous aurez quand même pu, les gars, me faire un beau petit cadeau et me faire remporter ces petits 3 points, frère. Et en plus de ça, j'ai mis 500 balles sur Benedetto buteur. J'espère qu'il va se rattraper dimanche prochain contre Rennes, gros, hein. Et sur ce, les gars, moi, je vais encore fêter l'anniversaire, ouais, toute la semaine, je vais le fêter. Voilà, toute la semaine, mais dimanche prochain, gros, je vais fêter encore mon anniversaire, hein. Donc, sur ce, alors, je vous embrasse à tous. Très gros match aussi, à souligner, de Monsieur Morgan Sanson. Hein, les gars, à la fin du match, il y a eu un peu de dilettante, dans le sens où quoi, il y a eu des cartons jaunes à droite, à gauche. Quand vous vous emboucanez, les mecs, je sais que, voilà, vous pouvez vous prendre à vous-même. Quand tu parles à l'arbitre, après, le mec, il s'en bat, oh, il s'en fout, lui, il t'en bat les cartons à droite, à gauche, il s'en bat les couilles, c'est ce que te dire. Et après, c'est loup comme morfle, hein. Donc, les gars, un peu plus de sérieux, ouais, je passionne, ouais. Un peu plus de sérieux, les mecs. Hein? Rattrapez-vous dimanche prochain contre Rennes à domicile, hein? Et sur ce, merci infiniment à toutes les personnes qui ont pensé à moi, en message, en texto, en vidéo, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, gros, par téléphone, vous m'avez régalé, merci infiniment. Et j'ai encore plus mouillé le maillot que certains ce soir, hein? Donc je vous embrasse, et sur ce, allez, bise, maillot fait, allez, bise.